Valente. Coutinho into Messi. Messi trying to get that left foot going again. One there now. Back to Messi. Messi shoots! And it's over the top from Kasper Schmeichel. Little bit messy this from Nice, and it's been intercepted. Bukayele runs onto his own ball. Oh, it's won the ball! And there it is! Kylian Mbappe! Puts Paris Saint-Germain back in front and possibly back to the top of the table. Le lot de ce genre de match après les coupures internationales où beaucoup de joueurs avaient voyagé, beaucoup de joueurs avaient beaucoup joué. On a un calendrier très chargé avec des objectifs très élevés et voilà, j'avais décidé de démarrer avec ce 11-là pour amener à la fois de la fraîcheur mais aussi pour que mes joueurs puissent exister dans cet effectif-là. Autant en première période, il y avait des choses intéressantes même si c'est pas beaucoup créé de situations, mais il y avait des choses intéressantes. Et patatrac en début de deuxième période où on est rentré mou, sans énergie, sans rythme, sans intensité. Et on a laissé le monopole du jeu à notre adversaire, à Nice, qui a fait un très bon match. Et là, on s'est mis en difficulté, en courant énormément après le ballon, en ne gagnant plus nos duels, en ne ressortant plus les ballons comme on devait les ressortir. Et fort logiquement, Nice a égalisé. Et il a fallu impulser plus d'énergie et plus de vitesse, de profondeur. C'est un partido difícil. Ellos sabíamos que era un buen rival. Juegan también muy bien, tienen buenos jugadores. Pero bueno, creo que hemos hecho un gran partido todos. Hemos sufrido hasta el final y bueno, nos hemos llevado los tres puntos, que era lo más importante.